Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, tout simplement, je vais expliquer comment participer au Winter Royale. Comment fonctionne le Winter Royale. Ça s'appelle pas vraiment le Winter Royale, mais plus la frénésie du froid. Mais on va appeler ça le Winter Royale, ce sera beaucoup plus simple. Je vais vous expliquer le mode de jeu, comment ça se passe, le cash prize. Vous allez voir, je pense que vous avez vos chances, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Bref, je vous en parle dans cette vidéo. Juste avant, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, objectif 3000 pouces bleus, à vous abonner à la chaîne YouTube. On est bientôt 80 000, ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout, on n'oublie pas le petit code créateur Cocteau, les gars. C'est au QTO dans la boutique parce que là. C'est la descente à l'heure, on avait presque 2000 soutiens, on a 800 soutiens, donc si vous pouvez repasser les 1000, ça serait plutôt cool. Bref, bon visionnage. Du coup les potes, Fortnite, ils ont tweet, d'ailleurs les gars, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, hop là, petite pub placée vite fait. Petite pub, voilà, voici les détails que vous attendiez pour le tournoi Frénésie du Froid, donc ça sera en trio les gars. Donc le mode de jeu, ça sera en trio, donc moi j'aurais préféré en duo, je sais pas ce que vous aurez préféré vous. Là, par contre, c'est la mauvaise nouvelle là, ça sera cross-platform. Alors pour ceux qui comprennent pas ce que ça veut dire, cross-platform, c'est simplement que... Un joueur PS4, un joueur PS5, un joueur Xbox, un joueur Switch, un joueur PC, un joueur de je sais pas quoi, ils sont tous ensemble. Hier, il y a vraiment, on va tous jouer ensemble. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui vont avoir la haine. Je peux comprendre, mais il faut savoir un truc aussi, c'est que s'ils avaient distingué bah, du coup, les consoles avec les PC, le cash prize aurait été divisé par deux. Vous allez voir, le cash prize est pas mal, hein, mais divisé par deux... je vais pas vous mentir, ça aurait été très peu. Vous allez le voir juste après le cash prize, vous inquiétez pas. Du coup, 4 sessions distinctes de 2 jours, de 2 rounds. Alors, je vous explique. Samedi, il y aura 2 sessions de qualif. Enfin, en fait, il y aura une demi-finale, une finale, une demi-finale, une finale. Donc, le samedi et le dimanche, il y aura une demi-finale, une finale. Bref, au pire, c'est quoi? Je vais vous montrer direct. En attendant que mon jeu se lance, du coup, il y a 5 millions de dollars à gagner. C'est plutôt pas mal, 5 millions de dollars. Et vous allez voir, je pense que c'est un petit cadeau de Noël parce que si vous êtes bon au jeu. Que voilà, vous avez un bon trio, il y a grave moyen d'avoir du cash prize. Et du coup, le petit truc de Fortnite, tous les participants pour obtenir le spray tour entraîneau, la double identification est nécessaire pour tous les membres du groupe. Il n'y a pas de restriction au niveau du rang d'arène pour ce tournoi. Donc tu peux avoir 0 points, tu pourras quand même faire la cup, ne t'inquiète pas, il n'y a pas besoin d'être champion. Donc voilà, aussi ça reste quand même accessible à tout le monde. Du coup, hop là, je suis directement dans l'onglet compétition. Donc voilà, hop là, compétition. Donc le format très très simple, le top 1 ça rapportera 5 points, le top 2 5 points, le top 3 5 points, le top 4 5 points, le top 5 5 points, le top 10 3 points, le top 20 2 points et chaque kill 2 points. Donc là, il faut savoir un truc, c'est que les kills sont pas bridés, donc tu peux faire, bah du coup, 98 kills si tu veux. Donc ça, c'est un petit peu dommage, parce que forcément, bah vu que, bah, pas besoin d'avoir d'être champion rivalité, c'est cross-platform, donc tout le monde peut participer. Je vais pas vous mentir que ça va slay, mais d'une force, il va pas y avoir de fanzone pour moi. Hein. En tout cas, pour la première partie. C'est aussi assez bizarre que le top 1 rapporte autant que le top 2, mais bon, ça va quand même... Peut-être un peu stack, parce que, ouais, quand même, et, ouais, après, c'est 2 points de kill, donc je pense quand même que ça va rush. Du coup, on le voit juste ici, donc le 12-12-2020, donc de 11h à 13h, donc ce sera assez matinal. Donc, il y aura la première phase, donc là où il faudra faire top 500. Ensuite, il y aura la finale de 14h à 17h, où là, il faudra faire top 400 pour voir le cash prize, je vais vous montrer ça juste après. Ensuite, de 18h à 20h, et ben il y aura repareil une open où il faudra faire top 500 pour aller en finale qui se déroulera du coup de 21h à minuit. Donc honnêtement, ça fait des grosses journées parce que imaginons tu travailles à 10h et ben à minuit ben, t'es encore en cup. Donc honnêtement là, ça va être assez tendu. Bon après il faut aller en finale tu vois à chaque fois. Ensuite c'est la même chose du coup bah dimanche, c'est exactement la même chose que le samedi. Donc là, on peut voir que vous gagnez absolument rien, sauf si vous faites 5 points, vous gagnez un objet que je vous expliquais tout à l'heure. Et du coup, bah là, donc vous voyez, hop là, vous participez juste ici. Et ensuite, si vous faites le top 500, vous participez juste ici. Et là, il y a tout simplement, si vous faites dans le top 35, donc ça c'est bizarre hein, que le top 1 gagne plus. Vraiment, c'est le Winter Royale. Le but, c'est de faire un petit peu, voilà, Fortnite qui fait des cadeaux à ses joueurs, tout simplement. Donc voilà, le top 1, top 2, jusqu'au top 35, c'est 1 800 $ divisé par 3, les gars, hein, faut pas oublier. Et top 400, 1 200 $. Donc il y a 100, un top 100 qui ne gagnera pas de cash prize. C'est le top 400 au top 500 du coup qui ne gagnera pas de cash. Donc voilà, en vrai 1 200 $, vous allez me dire, c'est pas énorme. En vrai, il faut diviser par 3, donc ça fait 400 $. Certes, c'est pas énorme, mais en vrai, les gars, vous pouvez vous qualifier 4 fois. Donc bah 4 fois 400 $, ça fait combien? 1 600. 1 600 $. 1 600 $, c'est pas rien du coup. Ça fait un petit 1 200 €, tu vois, un petit SMIC. Un petit SMIC en 2 jours. Après, il faut se qualifier à chaque fois, tu vois. Mais en vrai, c'est un bon trio, ça se fait largement. Ce qui est cool, c'est qu'honnêtement, t'as 4 chances de gagner du cash prize. Donc 4 chances, ça reste énorme. Et vraiment, si t'es bon au jeu, mon pote, t'as toutes tes chances. Donc bah. D'ailleurs, si je sais qu'il y en a sûrement qui ont du mal à trouver des mates, n'hésitez pas à mettre en description, en commentaire. Vous mettez en commentaire, salut, je cherche un trio, voici mon PR, ou mon tracker, mon pseudo, etc. Peut-être que ça pourra vous aider, donc n'hésitez pas, voilà, en commentaire, à mettre votre pseudo, à vous décrire un petit peu, peut-être que vous avez trouvé quelque chose. Juste avant, je vais vous montrer le règlement. Du coup, le règlement, très simple. Alors, déjà, si je dis pas... Alors, déjà, il faut savoir un truc, c'est que t'as que le droit de faire sur un seul compte le winter. C'est-à-dire que, par exemple, tu fais une session de merde,
et tu décides de restart, tu peux restart. Mais par exemple, tu peux pas aller sur un autre compte. Et ça, c'est pas possible. Ça, tu dois rester sur un seul compte. Ça, voilà. Alors, après, ensuite, est-ce qu'on peut faire les NA, donc l'Amérique, etc. Ça, je sais pas. On m'a dit qu'on pouvait pas faire sur les serveurs Amérique. Je vous laisse confirmer. Suivez-moi sur Twitter. Sur Twitter, je mettrai un petit tweet. Je crois que non. On m'a dit que non. Mais ça reste à vérifier. Et ensuite, comme vous le voyez, donc en Amérique, par contre, c'est le top 250 cette fois-ci. Et voilà. Bref, là, les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne YouTube, à me dire ce que vous en pensez du Winter. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être déçus, que bah, il n'y ait pas le cross-platform, enfin, que ce soit un cross-platform plutôt. Voilà, les gars, c'est des choses qui arrivent. Malheureusement, ça va aussi peut-être pouvoir. Souvent, les PS4, les PS5, vous aimez bien nous dire on vous baise les PC, hein. De toute façon, vous êtes des petites merdes. Et bah, les gars, courage à vous. Vous allez peut-être pouvoir montrer votre supériorité. En perfant à cette cup face à des PC, bonne chance à vous. Et puis moi j'ai une bonne nouvelle, c'est que j'ai acheté un PC à 4000 euros qui arrive assez vite. Bref, c'était Cocteau, ciao.